Salut tout le monde, alors aujourd'hui, deuxième chapitre sur Resident Evil 4. Donc c'est parti. Donc là on va charger là où on en était. Hop, peu putain de ta mère. Désolé. Je vous laisse la vidéo. Marie, vous l'avez vu la dernière fois, je l'ai pas laissé en entier, donc je vous laisse là. A tout de suite. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite the ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. On est dans la merde. Do something, cop! After you. Allez, c'est parti, on esquive les gars. Putain, elle était longue cette vidéo là. Pas cette cinématique. Voilà. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Allez, c'est parti. Bon alors, on n'oublie pas le enfin la truc de balle là. Le pistolet. Hein. Le marchand qui nous dit bonjour. Over here, stranger. Viens ici, j'ai deux, trois trucs à te montrer. Voilà. On récupère les balles. Voilà. Donc là. Merde, putain. Oh, Dio. On récupère l'herbe. C'est parti. Bon, du coup, on va voir ce qu'il veut, l'autre. Comme ça, on va lui vendre le fusil à pompe, tout ça. Ouais, si vous avez envie de mettre pause pour voir qu'est-ce que c'était marqué. Donc voilà. Bon, donc ça on s'en fout. Donc on vend tout ça, c'est parti. Voilà, parce que ça sert strictement à rien. On va quand même garder l'œuf de poule.
Ça peut servir. Ok, voilà. Du coup, après, on met... Oh merde, hop, voilà. Donc on met ça ensemble. Comme ça. Voilà, bon. Donc du coup... Mais non, putain, qu'est-ce que je fais, moi? J'ai oublié d'aller prendre la plante. Oui, bon, c'est bon, on s'en fout. Je m'en fous, hein. Voilà. Donc du coup, on va prendre la plante qu'il y a derrière. Ouais, c'est quand même une plante rouge, hein, c'est pas rien. Bon, ça vaut pas une plante jaune, c'est sûr, mais... C'est quand même une plante rouge. Ouais, c'est parti. Ça serait une plante verte, à la limite. Mais de toute façon, il faut que je prenne tout, donc... J'ai pas le choix. Allez, c'est parti. Ah, yes, putain, il pourrait pas y avoir une traduction de ce jeu là, ça serait magnifique. Hop là. Bon, la traduction, je la fais quand tu veux, mais bon, le problème c'est que bah, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent quoi. Enfin, je parle pas espagnol, tu vois. Sinon, j'aurais fait la traduction il y a longtemps sur PC. J'aurais foutu ça sur internet. Hop. Comment on fait comme ça? Oh bah dis. Oh putain, merde. Merde, non, c'est bon, je rigolais. Faut pas trop faire le fou non plus. Voilà. Putain. Oh merde. C'est bon, tu vas te calmer toi. Merde. Ça fonctionne. Bon, ça, j'ai eu de la chance. Merde, putain, je me fais avoir à chaque fois. Ouh là là. Hop là, tu fermes ta gueule deux secondes, s'il te plaît. Putain, je fais n'importe quoi. Allez. Ah, tu arrêtes, oui. Oh, voilà. Comment utiliser 10 milliards de balles pour rien? Putain. Il m'a voir l'autre. Bon. Putain, et voilà, ça me saoule. Chaque fois que je me fais avoir, j'appuie sur le visé là au lieu de. Enfin, sur le couteau. Bon, t'arrêtes tes conneries, toi. Voilà. Putain, n'importe quoi. Hop là. Et ça ferme sa gueule. Non, toujours pas. Putain, mais oui, on est en quelle difficulté là? C'est pas possible. On est en normal quoi. Putain, hallucinant ça. Bon, après avoir fait n'importe quoi, on va chercher les balles de fusil à pompe, c'est parti. Après, bah on continue. Hein. Toi, tu vas vite te calmer. Non. Hop là. Faut pas commencer à tirer comme un fou. Non. Merde, je me trompe. Deux touches. Merde. Putain, il t'arrive toujours à me toucher, c'est un truc de fou. Ok. Et t'es moche. Et bim dans vos dents. Putain, dis. Oh, la campagne en professionnel là. Au couteau, je sais pas si je vais y arriver, les gars. Je pense qu'il va y avoir du montage, hein. Putain. Ah ouais, non mais ça va être chaud. On verra bien de toute façon. On verra bien. Hop, donc c'est parti. On prend la première partie, enfin la première, ouais, le premier emblème. Voilà. Gagné. Un peu de temps, hop, pour gagner un peu de balles, on peut faire comme ça.
Donc par contre, quand je ferai du professionnel au couteau, ce sera du stratégique, donc ça risque d'être un peu plus long comme ça, et ça sera d'une manière complètement différente. Mais j'ai l'impression que je suis un peu plus nul que d'habitude, donc surtout que les touches sont un peu bizarres sur Xbox à comparer à GameCube. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc on prend tout, hein. Hop, on récupère tout. Merde, y'a rien là-dedans, je suis con. Normalement, y'a rien là. Okay, c'est bon. Voilà. Ça, au moins, si on récupère tout, et ben, bon, au moins, on aura tout. Voilà. Ça, je vous montre tout ce que c'est, comme ça, au moins, vous serez. Bon, après, se trouve, je peux oublier des choses, hein, mais je vais essayer. Je vais essayer de pas oublier. Par exemple, l'épisode d'avant, j'avais oublié une maison et aussi la petite église, là, je sais pas ce que c'est, là. Il y avait des balles de fusil à pompe en haut là, enfin au clocher, je sais pas quoi là. Et donc du coup bah j'avais eu le démon un peu. Mais j'ai dit merde, putain, j'ai complètement oublié. Mais bon, c'est pas grave. Sorti, on va fouiller toute la maison, enfin on va fouiller, ouais, on va faire le tour de la maison. Ok. Ça servait à rien. On va aller dedans, c'est parti, et on va récupérer la plante jaune qui va nous servir pour augmenter notre vie un peu. C'est parti. Ah, donc très important cette plante. Là. Hop. Merde, arrête. Et puis, est-ce que je prends la plante rouge ou allez. Hop là. Ça, on a plus de vie. Ça sert vachement beaucoup. Merde, putain, à chaque fois, lui, là, il tire de loin comme ça. C'est pas bien, ça. Allez, tire, merde, putain. Ça va, j'ai eu chaud. Et boum là, kaboum non? Putain, pas kaboum. Oh, ils sont deux là. Calme-toi. Toi, tu me saoules déjà. Ok. Ouais, non, mais attends, je suis en train de taper ton ami, toi. Mais merde. Chaque fois, ouais, mais tu vois, ça va pas le faire là. Je me trompe de touche à chaque fois, c'est vraiment très chiant. Vas-y, lance. Lance! Vas-y, il est où? Et balance! Voilà. Pff, oh, il met 2 ans à lancer l'autre là. Merde, putain, je fais n'importe quoi du coup. Je me confonds en fait avec le couteau et le pistolet, et du coup c'est assez chiant. Hop là! Et la boum! Bon, par contre, on va monter là-haut. Merde. Merde. Allez hop, dégage. Par contre, toi, tu vas vite te gamer. Donc, on va monter là-haut, mais d'abord, on va tirer sur cet enculé. Donc, n'hésitez pas à le tuer carrément. Parce que lui, quand vous montez en haut, et ben il vous surprend d'un coup et vous pouvez pas réagir quoi que ce soit. C'est très chiant. Donc c'est pour ça qu'il faut tirer dessus avant. Voilà. Et on va juste recharger. Putain. Et voilà. Je fais n'importe quoi. Ah ouais, mais il y a un trou là. Bon, vous savez quoi, on va pas se faire chier non plus. Bien longtemps. Mais d'où tu me touches, ouah, c'est pas possible ça. Bon, allez, sortir, on va chercher la dernière pièce. Enfin, le dernier emblème. Bon, c'est pas grave si j'utilise beaucoup de vie, hein. C'est pas le problème principal, quoi. C'est pas extrêmement grave. Donc, du coup, on va chercher la dernière pièce et puis voilà, on va se faire plaisir. Alors, récupérons. Bah, les balles de sniper. Hein. Hop, c'est parti. Donc, normalement, là, j'ai tout pris. Wow, wow, toi, tu vas te calmer. Normalement, j'ai tout pris, ça devrait aller. Ah, donc là, on combine, c'est parti.
Et on utilise. Et comme ça, on peut se barrer vite, vite, parce que sinon, on va se faire tuer. Je sais pas pourquoi, il y a un moment, enfin, je sais pas. Moi, il y a un moment où je me souvenais ici qu'il y avait un mec à la tronçonneuse qui venait, et en fait, pas du tout, ça a jamais arrivé, et ça arrivera jamais. Donc, je sais pas pourquoi, je me suis mis ça dans la tête à un moment. Alors que, pas du tout, du tout. Ah, donc on pense bien à tout prendre, voilà. ouais, par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être des trucs que j'ai oublié. Bon. Ouais, donc des fois, ouais, il y a des spinels cachés dans des flambeaux, je sais pas quoi, là. Truc pour faire de la lumière. Bon, le truc, c'est que je me souviens pas de tout, tout. C'est la merde. Le problème ici, c'est que je peux pas venir parce que sinon je suis dans la merde. Ok. Putain, j'ai plus de vie. Faut que j'arrête de. Non, mais arrête, je tire. Oh! Je tire dessus, ça tire sur l'autre, quoi! Non, mais franchement, mais quand vous voulez que j'y arrive, va pas mourir après, tu sais. Oula, ouais, là par contre j'ai eu de la chance. Non, tu me toucheras pas, toi. Bon, le problème, c'est qu'il faut que je désingue l'autre, là, parce qu'il commence vraiment à me saouler. Ah, t'es connerie. Putain, merde. J'ai fait la connerie de vouloir y aller, absolument. Allez, ça dégage. C'est bon, on se reprend en main, parce que là, ça va pas le faire. Allez, ta gueule. Putain, on va pas me faire chier longtemps. Ouais, donc on récupère tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, hop. Donc bien penser à économiser un maximum de balles, donc faire un maximum de couteaux. Comme ça au moins, ça sera plus facile par la suite. Malgré que ce soit que des balles de pistolet, ça va vraiment servir. Voilà. J'aurais dû sauter à l'autre, c'est pas grave. À la maison. Voilà, donc on reste comme ça, on attend que les autres arrivent. Voilà. Hop. Merde. Après. Hop, voilà. Ok, d'accord, c'était l'herbe qui m'a fait un peu peur. Ok, donc fais attention. Là-bas, il faut qu'on aille chercher un truc. Merde, merde, putain. Je vais aller dessus, tu sais. Ah, donc normalement il y a quelqu'un là, voilà. Hop. Merde, c'est l'autre. Chaque fois je le fais avoir, ça me saoule. Eh ouais, c'est chiant ça de se faire avoir comme ça. En gros, je vise avec le couteau au lieu de viser avec l'arme, mais c'est très très chiant. Très désagréable. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ça va pas nous tuer non plus. La blague. Bon alors, donc on récupère le spinel, très important. On récupère ce qu'il y a ici. Ouais, là par contre, on va faire attention. Voilà, donc là on récupère les balles. Toujours des balles ici. Et après, on se barre. Mais avant de se barrer, on va en chercher quelque chose de très important. Ce masque. Voilà, donc ce masque, il faut vraiment y penser. Parce que c'est quelque chose de plutôt... plutôt précieux. Voilà. Donc voilà, on récupère ce qu'il y a dedans. Voilà, donc si on a la chance, on a une plante comme moi. Ouais, toi tu vas vite te calmer. Merde. Oh oh. Non, arrête quand même. Voilà, putain, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Ah, donc vous pouvez faire comme ça par exemple. Hein, pour... Voilà, pour gagner des balles. Bon. Ouais, là par contre. Mais j'aimerais bien avoir une vie jaune. Ça serait pas mal. Ouais, non, par contre avec lui, on va pas s'amuser à esquiver parce que c'est plus chiant et j'ai pas envie de perdre tout simplement. Donc je vais profiter que j'ai une grenade. Voilà. Je crois que le mieux, ça aurait une grenade aveuglante, je crois.
Ah, je sais même plus. Non, ça fonctionne pas. C'est pas avec eux, c'est pas avec eux, non, c'est pas avec eux. Comme ça, ok. Donc si je lance bien, normalement. Ouais, bon, on va dire que ça lance bien. Voilà. Hein, c'est pas non plus bon. Pour ce qu'on gagne, hein, c'est pas, c'est qu'une grenade, quoi. C'est pas non plus très grave. Bon. Voilà, on récupère la grenade, on récupère les sous, on change d'arme parce que bon, on n'a rien à foutre de garder la grenade dedans et on prend le pistolet. Voilà, c'est parti. Et on monte en haut, donc du coup, on va pouvoir soit se soigner avec les poissons, soit vendre par exemple le gros poisson qui nous sert strictement rien autrement. Parce que bon, on va pas soigner que le gros poisson, ça sert à rien, hein. On va se l'avouer comme ça sert à rien. Autant prendre une plante et ça va très bien. Donc du coup. Hop. Attention, on tue bien les oiseaux. Merde, il est où l'autre? Merde, il est où? Non, il y en a que deux. Ah merde, ouais, d'habitude tu tirais là-dessus. Bon, bah, c'est pas grave. Ah bah tiens, ici il était là, j'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Ah, d'habitude je tire sur celui qui est devant et après je tire sur la bombe, c'est vrai. J'avais oublié. Merde. Hop là. Voilà. Important, on récupère donc toujours. Putain, merde, j'ai ouvert. Toujours prendre l'amulette là où je sais pas, la montre là, enfin, je sais plus ce que c'est, mais toujours la prendre avant de faire tomber le médaillon. Comme ça, vous vendez le médaillon plus cher, donc c'est vraiment pratique. Et comme ça, on gagne beaucoup plus d'argent. Donc, c'est parti. Ok, donc normalement, il n'y a plus rien. Là. Ouais, donc on monte là-haut, vite, 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 vite. Donc normalement ici en deux fois je peux le faire le signe, si je m'en rappelle bien, mais je m'en rappelle plus, c'est ça qui est chiant. Je sais plus comment on fait, je crois que c'est le premier et le troisième. Bon, on va essayer, hein. Normalement, ça devrait être assez simple. Ouais, donc normalement c'est le premier, et puis après on fait le troisième. Oh, allez, oh j'ai une mémoire quand même. Mais que pour ça, hein. Pour le reste, j'ai pas de mémoire. Voilà, donc très astucieux, hein. Vous faites le premier, le deuxième, enfin le troisième, et comme ça on vous est sûr que ça fonctionne. On récupère la clé, bien entendu, parce que sinon ça m'est déjà arrivé d'oublier la clé et de devoir revenir ici, et c'est vraiment très chiant, hein. Ça fait tout un détour pour rien. Alors désolé, mais bon, hein, je vais pas vous faire lire ça, hein. Vous n'avez qu'à faire le jeu vous-même, voilà. Non, donc c'est là. Hop, on récupère les munitions de pistolet. Voilà. Hop, on ne revient pas derrière parce qu'on s'en fout de la cinématique. Si, on va revenir derrière. Carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Ah ouais, d'accord. What? Same blood. Ouais, non, en fait, non, je sais pas, ouais. Bon. Oh. Je suis déçu. Je suis déçu. Bon. Bah voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui choisis, j'avais complètement oublié. Et donc du coup, bah, c'est la fin du deuxième chapitre. Voilà, donc le chapitre 1-2. Enfin 1-2, ouais, voilà. Donc le chapitre 1-2, donc c'est la fin du chapitre. Ouais, donc du coup, on va sauvegarder. Putain, du coup on en est à combien en tout là? 1h50, donc on a fait 20 minutes de jeu in-game. Ok. Ouais, c'est pas énorme, hein. Mais bon, voilà, il faut pas non plus faire des jeux, il faut pas faire des épisodes non plus trop longs. Donc du coup, premier épisode fini. Donc je vous laisse un petit peu là, voilà. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados.
Los Illuminados. That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Voilà. Donc, bon, après, voilà, on prend l'herbe qui est ici, tout ça. Donc, du coup, bon, on va se faire ça, mais dans 3 jours, hein, on va se faire ça après, donc dans une troisième partie. Donc, juste comme ça, on va dire en exclu, hein. Bon, c'est pas en exclu, mais en avance, voilà, en avance. Je vous montre une petite cinématique, là. Ah, donc, je vous la remontrerai. Je vous la remontrerai dans le prochain épisode, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, hein, le fait de faire ça, ça change rien du tout au jeu. Ça change pas le cours du jeu. Non, ça te rappelle pas quelque chose, mais quelqu'un. Hein, c'est pas pareil. Il est un peu méchant quand même dans le fond. Hein. Ah, donc ces livres sont tous écrits en anglais. Mais je n'ai pas le temps de les lire. Ben moi j'ai le temps, moi vas-y, vas-y, montre. Vas-y, qu'est-ce que c'est écrit? Ouais, donc... voilà, on vendra ça tout, la prochaine fois. Donc ça donne beaucoup de vie, hein, mais bon, on s'en fout, quoi. Voilà, donc du coup, bah, c'est la fin de cet épisode, qui a duré, on va dire, raisonnablement au niveau du temps. Donc du coup, voilà, donc c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, ciao. Allez, ciao tout le monde!